Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Dans l'actualité de ce 12 mai, à la une ce soir, le non au 49-3, refrain scandé par des dizaines de manifestants ces derniers jours. Dans un instant, nous serons en duplex de la préfecture de Tours où les syndicats appellent à résister devant le passage en force de la loi travail. Avec 187 000 passagers sur l'année 2015, quel est véritablement le poids économique de l'aéroport de Tours? Il génère près de 20 millions d'euros par an, mais quelle retombée dans l'économie locale? On tente d'y voir plus clair. Dans ce journal également, Marco Simone sur le départ. L'entraîneur du Tour FC et le président du club, Jean-Marc Ettori, se sont entretenus à ce sujet. Rien d'officiel pour l'heure, mais le départ semble inévitable au vu des tensions entre les deux hommes ces derniers mois. Bonsoir à tous. Vent debout contre le 49-3. On prend la direction tout de suite de la préfecture du Tour. Bonsoir Florent. Ce soir, les syndicats ont appelé à une forte mobilisation contre le passage en force de la loi travail. Et oui, ils se sont rassemblés hein, en fin d'après-midi dans les rues de Tours. Vous voyez hein, cette image de la place de la préfecture qui commence à se vider. Le rassemblement vient de se terminer. Les syndicats ont prononcé leur discours. Rassemblement qui a commencé à 17h30 place Atoll France et qui s'est transformé ensuite en défilé par par la rue Nationale, par la place Jean Jaurès avant de se retrouver donc ici. Place de la préfecture, les jeunes qui ont manifesté ce matin ont rejoint également ce cortège et alors que Manuel Valls a engagé sa responsabilité en cette toute fin d'après-midi à l'Assemblée nationale, et bien ici on a commenté l'utilisation du 49-3, ce 49-3 qui est un déni de démocratie. Justement, nous sommes avec le secrétaire départemental de Force ouvrière, Grégoire Hamelin. Bonsoir. Bonsoir. Très rapidement, l'utilisation de ce 49-3, c'est une atteinte à la liberté d'expression et selon vous au droit des travailleurs ou pas? Ah bah absolument, parce que aujourd'hui et on n'est pas les seuls à le penser, les organisations syndicales toutes réunies présentement, Force ouvrière, CGT Sud, FSU avec les organisations syndicales d'étudiants, on considère que effectivement c'est un déni de démocratie puisque 75% de la population est contre cette loi et que pour passer en force, eh bien il n'a plus que cet outil législatif, et même dans ses rangs, vous avez vu les derniers développements auprès des députés, eh bien ça ne passe pas. Donc effectivement, le gouvernement Valls, comme il l'avait fait précédemment sur la loi Macron, eh bien signe ce texte d'un autoritarisme social qui se double d'un autoritarisme politique. Est-ce que ça va vous radicaliser, l'utilisation du 49-3, ou est-ce que c'est la mobilisation qui se poursuit contre la loi travail tout simplement? Ah, je pense que radicaliser, c'est pas le bon terme, mais par contre, ce qui est important pour nous, pardon, c'est de pouvoir continuer à se mobiliser et à garder cet objectif d'avoir maintenant le retrait ou le rejet de cette loi. Et pour Force ouvrière, nous pensons maintenant qu'il faut envisager une grande manifestation nationale à Paris, puisque on l'a bien vu, les députés vont de toute manière, in fine, ne pas voter la motion de censure et donc assurer la confiance au gouvernement, ce qui fait que le texte passera. Grégoire Hamelin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de Force ouvrière Indre-et-Loire. Alors vous le voyez, hein, cette place qui continue à se vider, hein, on compte encore, allez, peut-être 150 personnes, tout à l'heure on a compté 600 personnes. Et en parlant de radicalisation du mouvement, deux manifestations et deux appels à la grève sont déjà prévus pour la semaine prochaine, mardi et jeudi. À noter également que la CGT cheminots a appelé les cheminots tout simplement à faire grève tous les mercredis et jeudis. Merci beaucoup Florent Carrière en duplex de la préfecture à Tours. Et cet après-midi, 300-400 étudiants manifestaient aussi dans les rues, et cela malgré l'interdiction de la préfecture. Je vous rappelle que mardi soir, des affrontements avaient eu lieu entre étudiants et policiers. Et ce matin, la police n'est pas intervenue. Aurélie Renaud. Si par hasard on était obligé de faire demi-tour brusquement parce qu'on se fait charger, ce sont les personnes qui sont à l'arrière de la manifestation qui vous emmèneront au prochain point. Les consignes sont nombreuses devant la fac. Avoir du sérum physiologique pour éliminer le gaz lacrymogène, distribution de numéros de téléphone d'avocats en cas d'interpellation. Les étudiants en sont sûrs, la police va les stopper suite aux consignes du préfet. Il faut savoir qu'aucun des rassemblements qu'on fait depuis le début n'est déclaré. Là, on n'est même pas sûr d'arriver à faire 500 mètres. Donc nous, on ne va pas se dégonfler, on va y aller. Mais on va montrer à tout le monde qu'on est dans un état policier et qu'on n'a juste même pas le droit de manifester. Le cortège va descendre toute la rue Nationale, bloquant les tramways. Sur place, aucune voiture de police
Arrivés place Jean Jaurès, les 400 manifestants sont presque surpris de ne pas avoir été stoppés. Chacun guette l'arrivée des forces de l'ordre. Sur place, une seule voiture, c'est celle de la police municipale. A priori, ils ne sont pas là. Ça peut très bien être aussi un coup de Trafalgar et qu'ils nous prennent au retour. On les attend, on les voit, ils ne sont pas loin, ils surveillent, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Les manifestants semblent vouloir éviter la place de la préfecture. Pour la première fois, ils empruntent la rue Bernard-Palissy, toujours sans encombre. Et puis le cortège revient sur ses pas et c'est bien sous les fenêtres du préfet que cette assemblée s'arrête. Malgré que les consignes du préfet, les forces de police laissent quand même les gens manifester et c'est quand même une bonne chose. Des étudiants presque aussi satisfaits que stupéfaits de la quiétude de cette manifestation interdite par la préfecture. Si ces 3 mois ferment pour outrage et rébellion, voici les peines auxquelles ont été condamnés 2 frères originaires du quartier du Sanitas, interpellés lundi après-midi alors que des policiers tentaient d'interpeller un individu faisant l'objet d'une fiche de recherche. Ils devront verser 150 € à chaque fonctionnaire, plus 600 €, tout préjudice confondu. Saint-Pierre-des-Corps renforce son pôle ferroviaire. Le constructeur Socofer va créer avec l'allemand Voslo, spécialisé dans les voies pour réseau ferré, une nouvelle entreprise de maintenance sur l'ancien site des magasins généraux de la SNCF. L'objectif est de créer un atelier de maintenance de 4000 m² de couverts. Et ce nouvel atelier devrait être opérationnel début 2018. À terme, il devrait employer entre 30 et 60 personnes. Avec 187 000 passagers sur l'année 2015, quel est véritablement le poids économique de l'aéroport de Tours? Une étude menée sur un échantillon de plus de 1000 personnes démontre son importance régionale. L'aéroport génère plus de 20 millions d'euros par an. Des retombées décisives pour le tourisme local, notamment dans l'hôtellerie. Florent Carrière. Plus de 20 800 000 euros de retombées économiques et 200 emplois générés directement ou indirectement. L'aéroport de Tours serait donc un outil de développement pour le territoire, de quoi justifier les 2,5 millions d'euros d'argent public versés à Ryanair. Un bon retour sur investissement selon l'étude d'impact commandée par l'aéroport. Ainsi, en 2014, les touristes ayant transité par l'infrastructure aéroportuaire seraient restés en moyenne 13 jours sur le territoire, avec une dépense moyenne de 715 € par visiteur. Le tourisme dopé par l'aéroport, selon l'étude, plus de 12 000 nuits de camping en un an seraient attribuées à ces visiteurs du ciel, plus de 5 500 semaines de location de meublés et surtout plus de 54 000 nuitées dans nos hôtels. Il y a l'aviation, je dirais, de loisirs quelque part avec tous les locaux qui sont faits par Ryanair, mais il y a aussi l'aviation d'affaires qui a une grosse part quand même sur l'aéroport de Tours. Il y a même des équipages aussi qui sont aussi logés, il ne faut pas l'oublier. C'est un aéroport en développement, c'est un véritable levier, je le répète. Et bien sûr, moi je revendique son efficacité et son obligation d'être présent sur la ville de Tours. Un aéroport qui affichait en 2014 184 000 passages, soit 80 000 de plus qu'en 2010. Mais le passager comptabilisé une fois à l'aller, une fois au retour, ce qui ramène le chiffre à 92 000 personnes grosso modo qui ont utilisé l'aéroport de Tours. Principalement des locaux, des habitants du centre Val-de-Loire. Les visiteurs, les étrangers, eux, ne représentent que 30%, soit un peu plus de 27 000 personnes. Ce sont eux qui représentent les 20 millions de retombées économiques. Sur ces 27 000 personnes, 38% indiquent n'être venus ici que par la présence de l'aéroport. Les 62% restants seraient venus autrement, par le train par exemple, mais peut-être auraient-ils différé leur voyage en centre-Val de Loire. Enfin, selon l'étude, l'aéroport de Tours aurait une vocation régionale. 50% des visiteurs poseraient leurs valises à Tours, les autres dans le reste de la région. Et l'avenir de l'aéroport pose question. Départ de l'école de chasse, l'arrêt du financement par la CCI. On en parle vendredi soir dans Magéco à 19h30 sur TV Tourval de Loire. Nos quartiers ont du talent. L'association créée il y a 10 ans mais active en région centre depuis seulement un an et demi se réunissait hier à l'initiative du MEDEF. L'objectif, aider de jeunes diplômés Bac plus 3 minimum à s'insérer sur le marché professionnel. Il faut dire que les jeunes issus des quartiers 10 sensibles ont très souvent beaucoup de mal à franchir la porte de l'emploi. En Indre-et-Loire, 120 jeunes sont à la recherche d'un parrain. Ce qui freine, c'est quoi? Je viens d'un quartier prioritaire, Fontaine. C'est le quartier pauvre. Du coup, nos façons de parler, c'est différent quand on voit aussi des camarades qui sont dans l'école, ceux qui viennent de quartiers aisés, c'est différent. Avec un parrain qui connaît le milieu professionnel, il saura
comment m'orienter, comment employer des vocabulaires convaincants et tout. On est sur un complément de dispositif par rapport à ce qui est fait par Pôle emploi, par les missions locales, par les associations. On vient en complément. On considère que l'œil du cadre qui est en activité dans l'entreprise va être ce petit plus qui va aider les jeunes à comprendre les codes de l'entreprise, à accéder à des réseaux. Et c'est ce qui manque aux jeunes que nous suivons. Marco Simone devrait quitter le Tour FC. L'entraîneur et le dirigeant du club, Jean-Marc Ettori, en auraient discuté face à face ces dernières 24 heures. Rien d'officiel. Pour le moment, l'entraîneur devrait faire ses premières déclarations à la presse à l'issue du dernier match de la saison demain soir. Tour FC, AS Nancy-Lorraine, Romain Delville. Marco Simone et Jean-Marc Ettori côte à côte, c'est forcément une image d'archive, quasiment historique. Le départ du technicien italien et de son staff à l'issue de la saison signe donc la fin d'une situation intenable, celle de deux hommes aux objectifs communs, mais qui ne se parlent plus depuis le début de l'année 2016. Sans parler de divorce à l'amiable, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Marco Simone et son équipe technique ne revendiqueraient pas le paiement de leur dernière année de contrat avec le club. Une bonne nouvelle pour le TFC, à un mois de son passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. D'un point de vue sportif, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Marco Simone et son staff. Le Tour Football Club est maintenu en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, malgré l'effectif le plus jeune de la division. On en viendrait presque à oublier qu'il reste un match demain soir au stade de la Vallée du Cher, puisque Tours reçoit l'AS Nancy-Lorraine pour la dernière journée de championnat. Marco Simone y assistera depuis la tribune, puisqu'il est suspendu. L'ancien attaquant du Milan AC n'a pas souhaité répondre à nos questions et s'est engagé à s'exprimer librement à l'issue de la rencontre. Quant à Jean-Marc Ettori, le président du TFC n'était pas joignable aujourd'hui. Et on en parle justement dans un instant avec Jean-Éric Zabrowski, responsable des sports à la Nouvelle République. A tout de suite.